écoutez Alger chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hajar, l'allocation touristique portée à 750 euros, l'allocation du Hajj passe à 1000 dollars, indemnisation des familles affectées par les inondations de septembre dernier, décision du président de la République en conseil des ministres hier, la réunion a également abordé les secteurs agricoles et ferroviaires. Situation en Syrie, l'Algérie réaffirme son soutien au peuple syrien et appelle à un dialogue inclusif pour la paix, loin de toute ingérence étrangère. À Gaza, le bilan des martyrs ne cesse de s'allonger, il frôle les 45 000. Les blessés sont en sursis, plus de 100 patients risquent de mourir en raison des coupures d'électricité. Le directeur de l'hôpital Kamal Adouane lance un SOS à la communauté internationale. Le caillassage des trains, un phénomène récurrent qui coûte cher à la SNCF. Outre les dégâts matériels, ces actes d'incivisme sont un danger réel pour les voyageurs et les conducteurs. Protection de l'enfant contre la drogue, une convention sera prochainement signée entre l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance et l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Sport football, Coupe de la CAF, le CS Constantine s'impose à domicile 2-1 face au Simba Sport de Tanzanie. Le SM Alger et Jaraf du Sénégal se neutralisent 0-0. Et en 12e journée de Ligue 1, victoire du MCO 1-0 face à l'US Biskra et de la JS Kabylie 2-1 face au NC Magra. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec les dernières décisions du président de la République en Conseil des ministres hier. Le chef de l'État a ainsi donné des orientations pour accélérer la mise en œuvre du programme ferroviaire, adopter une stratégie intégrée pour réduire l'importation dans le secteur agricole, en plus d'autres instructions en lien direct avec les préoccupations du citoyen. Linda Bouadma. Abdelmadjid Tebboune a décidé d'augmenter dès janvier prochain l'allocation touristique à 750 euros pour tout Algérien majeur et 300 euros pour les mineurs. Quant à l'allocation du Hajj, elle est portée à 1000 dollars dès la prochaine saison. Le président a ordonné l'indemnisation définitive avant la fin de l'année de tous les sinistrés des inondations de septembre dernier, appréciant les efforts des autorités en la matière qui ont pu, entre autres, réhabiliter 2960 logements, reloger 344 autres familles et indemniser 1564 familles. Concernant le dossier de l'agriculture, le chef de l'État, qui s'est félicité des avancées réalisées dans le secteur, a ordonné l'adoption d'une stratégie inclusive pour réduire les importations et la mise en place d'une prospection fine à même d'assurer l'approvisionnement du marché local et passer ensuite à l'exportation. Le président a ordonné la finalisation dans les meilleurs délais de la modernisation du réseau ferroviaire en adéquation avec les grands projets à rentabilité économique. Le président a insisté pour donner la priorité à la ligne Alger-Tamanrasset en liaison avec les pays voisins. Enfin, concernant le volet maritime, Abdelmadjid Tebboune a ordonné au groupe des grands travaux maritimes réactivés récemment de commencer immédiatement le désenvasement des ports de Djigel, Béjaïa, Annaba, Mestrenem, Razaouet, Cap Djennet, Ténès et Délis. Et selon Mohamed Hani, membre de la commission des affaires étrangères à l'APN, l'augmentation de l'allocation touristique permettra aux citoyens d'amortir le coût du voyage. Si je prends l'exemple d'un couple avec deux enfants, cela signifie que la famille peut échanger jusqu'à 2100 euros pour le voyage une fois par année. Je pense que c'est un bon début, c'est une très bonne chose qui sera accueillie par le public comme il se doit. Nous félicitons cette décision et encore une fois, c'est un effort de plus du gouvernement algérien envers ses citoyens. Et à travers cette décision, les pouvoirs publics œuvrent à réguler le marché de la devise et à mettre un terme à l'informel. Je vous propose d'écouter Idil Sassi, expert en finance. On parle un petit peu de la volonté des autorités publiques d'assécher le marché informel en captant les bourses qui ne sont pas censées se tourner vers le marché informel. Donc, en présentant une certaine flexibilité sur ce droit de change, les autorités vont capter les personnes qui sont concernées en premier lieu par le tourisme, vont dorénavant faire appel à un guichet officiel. Ces propos ont été recueillis par Nabila Hussein. L'Algérie et l'Afrique du Sud réaffirment leur volonté d'œuvrer à traduire les relations privilégiées et d'amitié solide qui les unissent en partenariat économique solide et durable, selon le communiqué commun qui a sanctionné la visite d'État du président sud-africain Cyril Ramaphosa le week-end dernier en Algérie et la 7e session de la Haute Commission bilatérale de coopération entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont ainsi réaffirmé leur soutien indéfectible aux causes palestiniennes et sahraoui. Situation en Syrie. L'Algérie réaffirme son soutien au peuple syrien et appelle à un dialogue inclusif pour la paix, loin de toute ingérence étrangère, indique un communiqué des affaires étrangères. Liestel Rini.
L'Algérie appelle toutes les parties syriennes à l'unité, à la paix et à œuvrer pour préserver la sécurité du pays, sa stabilité ainsi que l'unité et l'intégrité de son territoire. L'Algérie réaffirme son soutien au peuple syrien frère, avec lequel le peuple algérien partage une histoire commune marquée par la solidarité et l'entraide. Elle appelle également au dialogue entre les enfants du peuple syrien, dans toute leur diversité et leurs composantes, à privilégier les intérêts supérieurs de la Syrie, à préserver les biens et les ressources du pays et à se tourner vers l'avenir pour bâtir une patrie qui accueille tous ses citoyens, dans le cadre d'institutions issues de la volonté du peuple syrien à l'abri de toute ingérence étrangère. Et au lendemain du départ de Bachar el-Assad, les groupes armés ont pris le contrôle de Damas, la capitale, et de plusieurs autres villes. Al-Assad et sa famille se trouvent actuellement en Russie. L'asile leur a été accordé sur la base de considérations humanitaires, indique un communiqué du Kremlin. Et pour l'analyste politique Kamel Ben Younes, le départ de Bachar el-Assad a été négocié, il le dit, Rabih Aslimani. Depuis quelques semaines, il y a des concertations entre les leaders militaires de l'opposition, considérés par certains comme opposants, par d'autres comme terroristes, et les directions de l'armée dans les différentes villes syriennes, de Halab jusqu'à Hamad, Homs, puis jusqu'à Damas, puis avec les États étrangers qui avaient retiré depuis quelques jours leurs citoyens, y compris les Russes et les Iraniens. Il y a donc un processus concerté. Maintenant, est-ce que les slogans annoncés pour assurer l'unité nationale, que la nouvelle Syrie sera pour tous les Syriens, est-ce qu'il y aura un compromis entre les différents constituants de la société, y compris les minorités alaouites, druzes, kurdes, etc. Et à la demande de la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence cet après-midi pour des discussions à huis clos. À Gaza, le bilan des martyrs ne cesse de s'allonger. Il frôle les 45 000. Les blessés sont en sursis. Plus de 100 patients risquent de mourir en raison des coupures d'électricité et d'eau. Le directeur de l'hôpital Kamel Adouane lance un SOS à la communauté internationale. Et une trêve à Gaza serait possible selon le Qatar. L'envoyé de Donald Trump au Moyen-Orient s'est rendu à Doha et dans les territoires palestiniens occupés. Sa mission, entretenir la campagne diplomatique du président américain en faveur d'un cessez-le-feu et d'un accord de libération des prisonniers de guerre avant son investiture prévue le 20 janvier prochain. Je vous propose d'écouter le politologue Kamel Abina. Il est contacté par Liestel Reni. Il y a fort à parier que la partie sioniste emmenée par Netanyahou ne soit pas intéressée, simplement parce qu'il veut jouer son avantage. Il a fait un cessez-le-feu plus ou moins respecté avec le Hezbollah au sud du Liban. L'objectif de Netanyahou, c'est de détruire toutes les organisations palestiniennes de résistance, car il n'y a pas que le Hamas, de créer un choc psychologique qui soit l'équivalent de ce qui s'est passé en 1948 avec la première Nakba, de peut-être déporter le maximum de population puisque le territoire n'est plus viable. Il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus de moyens de subsistance. Ils ont détruit évidemment toutes les infrastructures syriennes offensives ou défensives. Donc tout ça donne le sentiment que l'entité sioniste peut faire le maximum pour avoir le plus d'avantages sur le terrain et qu'au terme de l'écrasante puissance de feu déployée par cette armée soutenue par les États-Unis et de créer un choc qui durera 10, 15, 20, 30 ans face au monde arabe est capable de parler d'une seule voix. Journée internationale de lutte contre la corruption, ce 9 décembre, une journée d'information sera organisée ce lundi par la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption pour mettre en exergue l'importance de renforcer la transparence de la vie publique et la bonne gouvernance. Le caillassage des trains, un phénomène récurrent qui coûte cher à la SNCF. Outre les dégâts matériels, ces actes d'incivisme sont un réel danger pour les voyageurs et les conducteurs. Des mesures sont prises pour mettre un terme à ce fléau. Sophia Boukelcha. Le caillassage des trains cause des dégâts matériels importants et met en péril la sécurité des voyageurs. Ces derniers temps, on a beaucoup de malheurs sur les trains, c'est de l'incivisme. Ces jeunes ne se rendent pas compte de leurs gestes, de leurs actes. Ça peut blesser ou même tuer quelqu'un. On perd des trains, c'est des dommages matériaux, la les pertes sont énormes. Chaque année, les réparations coûtent des millions de dinars, sans compter les retards et les risques pour les passagers. Ali Kessassi, directeur central du matériel à la SNCF. Nous subissons chaque année des pertes très très importantes. Derrière, il y a des enveloppes importantes qui sont dégagées pour l'acquisition de vitrages et le remplacement. Notre souci majeur, c'est que le service public doit être assuré. Mais malheureusement, ces incidents nous causent énormément de tort. La Société nationale des transports ferroviaires œuvre à déployer des caméras de surveillance et à lancer des campagnes de sensibilisation face à cette escalade. On a essayé
de mettre en place plusieurs actions de sensibilité au niveau des localités où ces jets de pierres sont enregistrés fréquemment. On a fait aussi des approches avec les autorités pour essayer un peu de comprendre ce phénomène et de trouver les solutions les plus rapides. La SNCF a entamé aussi de son côté des actions pour mettre en place des caméras de surveillance et essayer un peu d'identifier ces gens. Ce type de vandalisme, sévèrement puni par la loi, est désormais dans le viseur des services de sécurité, déterminés à agir fermement pour y mettre un terme. Protection de l'enfant contre la drogue. Une convention sera prochainement signée entre l'agence, entre l'organe national de protection et de promotion de l'enfance et l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Des mécanismes assortis de mesures pratiques sur le terrain seront mis en place. Lina Adouche. Une convention de coopération sera prochainement signée pour mettre en place des mécanismes concrets sur le terrain. Mariam Chorfi, déléguée nationale de la protection de l'enfance. En tant qu'organisme national, nous préparons une convention de coopération avec l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, afin de mettre en place des mécanismes sur le terrain pour prévenir contre ce fléau. Cette convention se concentrera particulièrement sur l'aspect préventif et sera signée avant la fin de l'année. Le fait que ce fléau touche les enfants et les adolescents constitue une menace majeure pour la cohésion sociale. Un constat partagé par les professionnels de la santé, à l'instar du professeur Qaddour, chef de service de toxicologie au centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued, qui alerte sur les dangers de la banalisation de ce phénomène au sein de notre société. C'est un fléau qui menace notre société. On a des enfants de 9 ans qui sont toxicomanes. Il y a beaucoup de parents qui sont consommateurs de drogue, qui ont banalisé cette substance, comme on a banalisé la cigarette, ça devient un comportement tout à fait normal en milieu familial. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que reproduire ce que papa et maman font. On a le cas d'une fratrie de deux garçons de 7 et 8 ans qui ont carrément volé la drogue de leur père et qui l'ont prise consciemment. La protection des enfants contre les dangers de la drogue reste une des priorités des pouvoirs publics. Des stratégies de prévention ciblées sont mises en place, une situation qui nécessite l'adhésion et la contribution de tous, à commencer par la cellule familiale. Vous ne connaissez pas l'année de mise en circulation de votre véhicule. Le ministère de l'Intérieur vous invite à vous présenter au niveau des services des mines territorialement compétents pour soumettre ces véhicules à un contrôle de conformité afin de régulariser leur situation et finaliser par là même les procédures d'immatriculation selon l'année déterminée par les services compétents. Sport, football, Coupe de la CAF, deuxième journée de la phase de poule disputée hier. Le CS Constantine a pris le meilleur sur les Tanzaniens du Simba Sport, 2 buts à 1. Avec cette deuxième victoire de rang, le CSC prend les commandes du groupe A avec 6 points. Belle opération également de l'USM Alger en dehors de ses bases après le nul vierge arraché face aux Sénégalais de Jaraf. Les Rouges et Noirs et la SEC Mimosa occupent conjointement la tête du groupe C avec 4 points chacun. Et puis en Ligue 1, on a joué hier pour le compte la suite de la 12e journée. Le MC Oran, vainqueur à domicile face à l'US Biskra, 1-0, rejoint provisoirement l'entente de Sétif à la position du Dauphin, alors que la JS Kabylie a arraché une victoire à la maison face au NC Magra, 2-1. 8h13 sur Alger et Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Adlan était à la console technique, Mriem à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. La météo du jour, c'est tout de suite avec Hajar Mesaoudi.